Vous le savez, comme chaque lundi matin, nous parlons sport sur Style FM. Mais avant de retrouver les principaux résultats sportifs de votre week-end, on va tout d'abord parler football américain ce matin. Et pour cela, nous sommes par téléphone avec Rodolphe, responsable partenaire des Dragons de Poitiers. Rodolphe, bonjour. Bonjour Samuel. Alors pour commencer, on va parler des poules qui sont tombées pour tous les championnats nationaux, Division 1, Division 2 et Division 3. Oui, c'est ça. Donc la petite nouvelle attendue par pas mal de clubs, comme à chaque fois autour de la mi-septembre. Donc les poules, toutes les poules sont tombées. Donc avec, on connaissait déjà les dates de championnat, les week-ends qu'il fallait réserver. Sauf que maintenant, on connaît vraiment les poules, donc nos adversaires. Donc pour les Dragons, qui évoluent en Division 3 nationale, donc dans la poule, il y aura les Lions de Bordeaux. Donc c'était les derniers champions de la poule l'année dernière, auxquels les Dragons ont eu trois petites défaites de 1, 2 et 3 points, quelque chose comme ça. Donc les Lions de Bordeaux, il y a également en promu les Phoenix de Limoges, qui ont été eux champions régional du Limousin. Il y a également les Maraudeurs d'Angoulême, eux champions régional du Poitou-Charentes. Et un dernier promu, les Aurochs de Cahors, qui eux étaient champions régional de Midi-Pyrénées. Donc ça veut dire que dans cette poule, il y aura 5 dans la poule, dont 3 promus. Voilà. Donc il y aura des Lions, des Phoenix, des Dragons, des Maraudeurs et des Aurochs. Alors on va parler à présent des dates de championnat à domicile pour les Dragons. Donc à domicile, ça va être très concentré, les matchs à domicile. Donc il y a une grosse période fin janvier, début février. Donc le premier match aura lieu le 31 janvier. Le deuxième match à domicile aura lieu le 16 février. Donc en l'espace de un week-end d'affilée là. Donc vous aurez le droit à deux rencontres à domicile. Ah ouais, ça va être concentré, effectivement. Voilà, très concentré. Et il y aura deux autres matchs à domicile qui eux vont être le 10 avril et le 24 avril. Donc là, au moment des beaux jours, donc normalement ça va être quelque chose de bien, parce qu'en plus de ça, on va essayer de demander, comme on a pu le faire l'année dernière, le stade Rébeillot, le terrain d'honneur. Je sais pas si tu as pu entendre dire, ou s'il y a certains auditeurs qui nous écoutent qui ont assisté au match à Rébeillot l'année dernière. On a réussi à réunir 450 personnes, donc on était très très satisfaits de tout ce qui a été fait pour la rencontre et du spectacle qu'il y a eu en dehors et à l'intérieur du terrain. Alors avant de retrouver les dates de championnat, j'ai cru entendre qu'il y aurait un match amical de l'équipe senior vers le mois de décembre. C'est ça, donc j'ai pas encore eu l'info officielle qui m'est tombée sur la boîte mail de la part du président, mais j'ai cru entendre, selon certains joueurs et selon certains coachs, qu'il y aurait un match contre, alors je ne sais quelle équipe, autour de la mi-décembre. Voilà. Après, je crois que c'est à l'extérieur le match, je ne veux pas m'avancer, mais j'aurai plus d'informations lundi prochain ou dans les autres chroniques. Tu nous tiens informés, quoi qu'il en soit. Oui, voilà, pour sûr, je pense qu'il y a un match mi-décembre et peut-être un en novembre, mais ça, rien à confirmer. Je vous dis tout ça lundi, donc soyez à l'écoute dès lundi prochain. Alors vous êtes toujours actuellement en recrutement et je crois que vous recherchez également des bénévoles pour rejoindre les Dragons de Poitiers. Exactement, donc comme toute association, on a besoin de bénévoles. Et ce qui est bien dans cette asso, c'est que tout, on va dire, c'est pas tous les corps de métier, mais tout le bénévolat est bien reconnu, parce qu'on demande à la fois un soutien logistique pour tout ce qui est organisation de match, un soutien au niveau de la communication pour la création d'affiches. Donc je passe un petit message, il y en a certains qui nous écoutent, qui sont doués de Photoshop et autres logiciels de création d'affiches. Nous engageons des personnes pour faire des affiches. Donc si des gens veulent faire la promotion de leur art, voilà, ils peuvent le faire via le football américain. Donc tout ce qui est com, arbitrage également, on a toujours besoin d'arbitres, les arbitres c'est essentiel pour le football américain, parce que si on n'arrive pas à aligner deux arbitres par club, par rencontre, il ne peut pas y avoir de match, tout simplement. Donc ça sert à rien d'avoir un effectif de 50 joueurs s'il n'y a pas d'arbitre. Donc s'il y a des arbitres, on propose des formations, c'est tout simple, vous êtes encadré, et la Ligue Poitou-Charentes met à disposition du personnel pour vous aider. Donc s'il y a des bénévoles de tout niveau, de tout engagement, s'ils sont fans de football américain, venez donner un petit coup de main au Dragon de Poitiers pour faire des shows à l'américaine, comme on a pu faire
en mars dernier pour le match à Réveillon. Alors tu parlais d'arbitrage il y a quelques instants, je crois que tu avais une petite annonce à faire concernant l'arbitrage. Oui, voilà, donc comme je viens de le dire, l'arbitrage est super important. Il y aura une formation qui va se dérouler courant du mois d'octobre, je crois que c'est le 18 octobre à Poitiers. Donc si des personnes sont intéressées pour venir arbitrer le football américain, c'est pas parce qu'on ne comprend pas le football américain qu'on ne peut pas arbitrer, c'est simple, l'arbitrage au football américain. Si on comprend certains termes, voilà, ça peut très vite rentrer. Et puis à Poitiers, il y a un responsable qui s'occupe de la formation, qui a un suivi, également au niveau de la Ligue du Poitou-Charentes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'arbitrage, si vous voulez être sur le terrain, au plus près de l'action, voir les actions, souvenez tout simplement. Donc n'hésitez pas à contacter le Stade Poitou Football Américain sur la page Facebook ou tout simplement par mail à arbitragespfa@gmail.com. Merci Rodolphe. Merci beaucoup Samuel. On se retrouve lundi prochain, 8h30, comme tous les lundis. Comme tous les lundis. Bonne semaine, à lundi prochain. Bonne semaine, salut.